Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire quoi? Eh bien, on va tester la Xbox One trouvée au vide-grenier la semaine dernière quand j'étais de passage sur Nîmes. D'ailleurs, c'était incroyable ce petit week-end où je me suis décidé au dernier moment. Ça m'a permis justement de trouver cette console que nous allons tester aujourd'hui et ça m'a également permis de vous rencontrer à la Manga Nîmes. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues me voir. C'était une véritable surprise pour vous tous. Mais il y a tout de même une petite déception puisque j'aime bien quand vous partagez nos photos sur vos stories Instagram, mais comme j'ai changé d'Instagram il y a peu de temps, vous n'êtes pas au courant de ce dernier. C'est pour cela que je vous remets le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez me suivre sur mon nouveau compte Instagram. On est de plus en plus, on remonte petit à petit et ça me fait extrêmement plaisir. Mais il faudra encore du temps, même beaucoup de temps, avant de retrouver le nombre d'abonnés que j'avais sur mon ancien compte qui a été banni injustement. Comme vous l'aviez remarqué sur le dernier vide-grenier live, j'ai récupéré cette superbe Xbox One pour seulement 10 euros. Je vous remonte les images. Oui, mais après, oui, mais s'il prend pas le truc. Ouais, il n'y a pas la manette. D'accord. À 10, celle-là? Oui. C'était au vide-grenier de Marguerite, c'est le nom du patelin, pas d'une personne. Et par conséquent, il s'agit de la Xbox One la moins chère trouvée en vide-grenier. Attention tout de même, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de manette, et je ne sais pas si ça fonctionne. Bon, tu vas me dire, c'est comme toutes les consoles que je trouve en vide-grenier. On ne sait jamais si ça fonctionne, sauf s'il s'agit de consoles portables. Et d'ailleurs, avant de nettoyer un petit peu le popotin de cette Xbox One et de la tester, on va s'occuper de la petite machine. Comme d'habitude, je découvre ça complètement à l'arrache. Oh, qu'est-ce qui est tombé? Ah, un lecteur micro SD, mais il manque la petite carte mémoire. Je vous remonte les jeux. On a l'Enderman, on s'en fout de ça. Nous avons Wings, super. Et nous avons le plus intéressant, nous Mario. Et nous allons utiliser ceci pour tester la machine qui se trouve ici. Allez, viens par là. Je ne sais pas s'il y a encore de la batterie parce qu'elle était vendue sans chargeur. T'allumes ça comme ça. Oh, il y a encore de la batterie, incroyable. C'est quoi ce menu? Ah, ça a été réinitialisé. Faut choisir un pays, mais je sais plus où j'habite. Direction le Zimbabwe. Et voici mon pseudo. J'ai l'impression que le haut-parleur est un peu fatigué. Elle est plus toute jeune, cette DSi. Ouais, regardez comme je suis... Ah, on voit pas, là, tu me saoules. Regardez cette vision d'horreur, pire que les fanics qu'on a pu voir chez Feldup. Purveilia vous propose une large gamme de caméras. Allez, c'est parti pour tester New Mario. Eh ben on dirait que ça fonctionne, et ça, c'est parfait. C'est génial, à mon avis, vous avez dû passer énormément de temps... Oh le gros champignon, vous avez dû passer beaucoup de temps sur ce New Mario. C'est pas un jeu qui m'a vraiment charmé, on va dire que je l'ai pas vraiment joué, non? J'ai jamais joué celui-là, enfin si, je l'ai testé vite fait, quand je testais des consoles. L'avantage de celui-ci, c'est que ça reste un Mario très classique, en 2D. Y a pas besoin de faire des trucs de fou pour pouvoir satisfaire les joueurs. C'est comme moi avec cette nouvelle vidéo. Maintenant que ça s'est testé, c'est parti pour la Xbox One. Commençons par faire le tour de propriétaire pour voir s'il y a un défaut majeur sur la carcasse. A première vue, ce n'est pas le cas, je ne vois pas de sortie pliée. Ça m'est déjà arrivé d'acheter une Xbox 360 en vide-grenier où le port HDMI était à moitié plié. Fallait vraiment le faire. Mais rien d'étonnant en soi, parce que quand on se balade un petit peu sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux, on peut remarquer que certaines personnes ne prennent vraiment pas soin de leurs affaires. Et quand j'avais acheté cette console, j'ai eu un énorme doute quand j'étais au téléphone avec François qui me demandait la Xbox One que t'as acheté, c'est une version digitale ou pas? Oh, oh mon dieu, c'est vrai que quand t'achètes une Xbox One digitale, c'est-à-dire une console où on ne peut pas insérer des CD, ça ne vaut strictement rien. Sauf si ça s'appelle une PSP Go, mais ça c'est collector. Alors qu'une Xbox One S digitale, non, c'est pas du tout collector. Ouf, j'ai été rassuré parce qu'on peut voir le lecteur CD. Ah bah, j'ai eu de la chance. Qu'est-ce que je risque avec 10 euros? Ouais, mais tu sais, une Xbox One digitale, si t'as une manette, tu payes ça 10 euros, c'est toujours la manette de gagner. Alors que là, y a pas de manette, y a pas de câble. Oui, c'est vrai. Bon, après tout, si ça marche pas, c'est pas grave. Je me rattraperai avec la monétisation de cette vidéo. Faut au moins que les vues suivent, donc n'oubliez pas de la partager. Il n'y a pas de problème à l'arrière, c'est de même sur les côtés. Néanmoins, elle est un petit peu sale. Oui, je sais, je cherche la petite bête. Il y a quelques traces marron sur le devant. On va nettoyer ceci avec les bonnes lingettes. Et si elle ne fonctionne pas, on peut demander à François de tenter de la réparer. Après, il m'avait expliqué que ça dépendait de la panne. Bon, c'est comme toute console semi-HS ou HS. C'est vrai que si vous achetez une console, elle fonctionne au démarrage, mais la lentille est morte, vous pouvez pas jouer au jeu, bah faut remplacer la lentille. Et si c'est pour payer une nouvelle lentille plus chère qu'une nouvelle console, faut autant pas la réparer. Mais si c'est le cas avec cette Xbox One de vide-grenier, ce serait la première fois que ça m'arrive, parce que des consoles trouvées en vide-grenier dont la lentille est HS, ça m'est arrivé pour la PS1, la PS2, je me souviens plus si ça m'est arrivé pour la PS3.
et ça m'est également arrivé pour la GameCube. A mon avis, ça a dû être le cas pour des Xbox 360, mais impossible de savoir puisque le problème le plus récurrent, c'est les trois LED rouges. Eh bien regardez comme c'est incroyable. Oui, elle est toute propre, elle sent bon. Et pas de grosses traces lisibles sur la lingette, parce que ça a été nettoyé avec Merlin Machine. Par contre, je suis extrêmement curieux de savoir s'il y a une surprise du chef à l'intérieur de la console. Mais qu'est-ce que tu attends, Astérion? Si tu veux connaître la réponse, branche la hélico. Mais permettez, il faut choisir un jeu. Malheureusement, je n'ai pas en tête la liste de rétrocompatibilité Xbox 360, donc on va éviter de prendre un jeu 360. En plus, on a de quoi faire avec ma petite collection Xbox One. On va partir sur celui-ci. Ben non, voyons. Allez, va pour Cup. Oh non, il est sous blister, on va le laisser dedans. Mais allez, bouge ton boule, on n'a pas que ça à faire. Allez, va pour Fallout 4. J'ai besoin de câbles, câble d'alimentation, câble HDMI. Pour la manette, je vais récupérer... Bah, je vais récupérer celle-là, ce sera très bien. Et voici un câble HDMI. Et voici un câble d'alimentation. Allez, hop, zoom les enfants, on y va pour le manège. Divinité Minotaur, donne-moi la chance nécessaire pour faire fonctionner cette Xbox One de vide-grenier. Poussez-vous, vous. Faites place au gros dard de la Xbox One. Un rien m'éclate, la vie est belle. Mais oui, il est là, Minotaur, regardez. Il a pris la tenue de Zeus. Ah, le filou. Alimentation, juste ici. J'ai pas envie de connecter la console à Internet. Oh, ça se trouve, il y a la première interface. Une chose que je recherche. Mais non, mais arrête, mais tais-toi déjà. La Xbox 360, première interface, tu la possèdes, Astérion. Et surtout, il y a rien de nostalgique avec les premières versions de la Xbox One. En plus, qu'il s'agit d'une Xbox One S. Oh, regardez comme c'est moche. Hop là. Aïe. Oh, attention, attention, attention à la force de mon bras. Faut pas que je pète cette télé. J'ai pas envie d'en acheter de nouvelles. Un de ces quatre, je vais la péter. Hein. Je sais pas. Un mauvais pressentiment, mais pars pas pessimiste, Astérion. C'est pour ça qu'il va t'arriver des malheurs. À la télécommande. Alors. Allez, mais dépêche-toi, là. J'ai envie de tester cette Xbox One. Moi. Et on va allumer la Xbox One de vide-grenier de suite. 3, 2, 1. Ça s'allume. Il y a de l'alimentation. Allez, vas-y. Affiche-moi une belle image. Oh, non, c'est HDMI 2. C'est pas le 1. Oui, Xbox One. Ah, ça s'annonce bon, là. Je sens la nouvelle victoire. C'est normal que ce soit aussi long. Ah, c'est bon. Ouf. Ah zut, il me faut des piles. Ouais, des piles Eco Plus. Rapport qualité-prix, elles font partie du top. Non, non, je voulais pas allumer tout de suite. Ah, il y a un jeu dedans. Ah oui. C'est un jeu 360. Bon, c'est pas le meilleur. Viva Pinata. Mais c'est une petite pépite cachée. Ah, Trouble in Paradise, c'est pas le party game? Si, celui-ci je l'avais fait pour débloquer le succès à l'époque. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un jeu qui se vend à des sommes mirobolantes comme un schmup de la 360. Oh, en plus il est hyper rayé, bah vas-y. Le profil intégré à cette Xbox One n'a récupéré que 165 points de succès. Oh bah c'est vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Allez, maintenant on va vérifier si ça fonctionne parfaitement. Je suis en train de refaire les Fallout sur le Steam Deck. Depuis la sortie de la série que je n'ai toujours pas visionnée, j'ai eu envie de me remettre sur les Fallout que j'avais découvert en 2010 avec le 3 et le New Vegas. C'est vraiment des jeux totalement incroyables que je vous recommande fortement. Et avec la sortie de la série, les jeux sont actuellement en promo sur Steam et ils sont compatibles sur Steam Deck. Donc je joue en mode console portable à ces ultra pépites et j'ai acheté le 3 que j'ai terminé hier. Je suis en train de faire le New Vegas et un petit peu plus tard, je referai le 4 en mode console portable grâce au Steam Deck. Vous devez installer le jeu. Oh! Attends, quoi? Vous devez installer le jeu ou l'application? Attends, tu veux dire que je peux pas jouer au jeu si la console n'est pas connectée à Internet? Ah si, ça s'installe, c'est bon. J'ai eu peur, j'ai dit, c'est quoi cette arnaque? Bon, le temps qu'il s'installe, on se retrouve après. Le jeu est téléchargé, on va voir si ça fonctionne. Et j'ai envie de jouer à Fallout New Vegas sur mon Steam Deck. Eh ben c'est parfait, c'est une victoire, c'est magnifique! La vendeuse voulait vraiment se débarrasser de sa Xbox One. Je suis d'ailleurs très étonné de constater que personne n'avait récupéré la console avant moi, puisque je n'étais pas le premier à avoir demandé son prix. À mon avis,
le fait que cette Xbox One S n'était pas vendue avec manette et les câbles, personne ne voulait prendre le risque de mettre même 10€. Sauf que de mon côté, j'ai souhaité prendre ce risque pour vous proposer cette nouvelle vidéo, et ce risque s'est transformé en une belle victoire. Franchement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir dénicher des consoles assez récentes pour une bouchée de pain. Bon, et maintenant, je vais jouer à Fallout New Vegas.